Entre Justine et Véronique, le cœur de Patrice semble balancer. Pourtant, l'agriculteur avait nettement exprimé sa préférence pour la première, notamment lors du speed dating. Dans l'épisode qui sera diffusé le lundi 18 septembre 2023 mais qui est déjà disponible sur 6 Play Max, le polyculteur paraît jouer sur deux tableaux, ce qui risque de ne pas plaire du tout aux internautes. Peu habitué à avoir une et encore moins deux femmes chez lui, Patrice tient particulièrement à mettre ses prétendantes à l'aise, sans même voir l'ambiance tendue qui s'installe entre les deux. Pour cela, il n'hésite pas à sortir le grand jeu, comme on a pu le voir en avance dans l'épisode de l'amour et dans le pré qui sera diffusé lundi 18 septembre prochain et déjà disponible sur 6 Play Max. À l'issue de leur première journée à la ferme, Justine et Véronique ont donc passé une première nuit sur place et, le lendemain, s'y est avec un grand sourire que chacune d'elles s'est rendue dans la cuisine pour le petit déjeuner. En train de nettoyer la table du salon, Justine se met soudainement à chuchoter face aux caméras, un sourire béat sur le visage. Ce matin on s'est croisé dans le couloir vite fait. Et puis il m'a fait un câlin sur le bras. J'ai senti que si est-il lui qui venait vers moi donc ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Je m'y attendais pas du tout, explique-t-elle. Avant d'ajouter, toujours en souriant cependant, mais je culpabilise aussi par rapport à Véro. Donc je vais essayer de rester neutre mais si est-il pas facile. En tout cas je ne vais pas sauter sur Patrice, ça si est sûr. De son côté, très investi dans le lavage de la vaisselle, Véronique semble elle aussi sur son petit nuage. Et pour cause, pour elle également, l'agriculteur a eu une petite attention. J'ai passé une bonne nuit. Ce matin il est venu, comme Justine était dans la salle de bain au-dessus. Je lui ai dit, si tu viens si esti que tu t'ennuies de moi. Tout de suite il m'a dit non, mais quand je lui ai reposé la question, il m'a finalement répondu que oui. On verra bien, mais je suis contente, a-t-elle chuchoté à son tour, un sourire jusqu'aux oreilles. Quelques minutes plus tard, alors qu'elles se retrouvent toutes les deux en cuisine, Justine et Véronique engagent alors un petit jeu de bluff. Je sais pas quel est ton avis, mais je sais pas trop ce qu'il pense, affirme Véronique à l'intention de Justine. En train d'essuyer la vaisselle, cette dernière entre alors dans le jeu de sa rivale. Ah non, il ne montre rien, mais peut-être parce qu'il n'y arrive pas aussi. Suppose-t-elle pendant que la pétillante Véronique, qui réserve quelques surprises avec un autre candidat, rappelle que l'agriculteur a été longtemps tout seul. Oui, on peut comprendre, renchérit alors Justine. Bien évidemment, aucune des deux femmes n'a mentionné les rapprochements opérés dans l'ombre le matin même. Alors, pour qui le cœur de Patrice balancera officiellement? Réponse dans quelques semaines.